Il y a exactement 1000 jours, l'Agence européenne des médicaments classait le Covid-19 comme urgence publique internationale. Mais presque 3 ans plus tard, nous ne sommes toujours pas sortis de la crise. D'après l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, une nouvelle vague nous attend dans les prochaines semaines, causée par un nouveau variant du coronavirus. La semaine dernière, l'un de ces nouveaux variants d'Omicron, appelé BQ1, a été identifié dans au moins 5 pays de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Selon l'Agence européenne des médicaments, BQ1 et chaque souligné, appelé BQ1.1, deviendront les souches dominantes entre la mi-novembre et le début du mois de décembre. L'EMA rappelle qu'en automne et en hiver, le Covid-19 et le virus de la grippe circuleront en même temps. Elle recommande donc aux populations vulnérables de se faire administrer les 2 vaccins. Elle rappelle cependant que la nouvelle souche de variant d'Omicron semble déjà avoir une grande capacité à échapper à l'immunité acquise naturellement ou par la vaccination. Le SARS-CoV-2, le virus à l'origine du Covid-19, semble muter plus rapidement que nous ne pouvons adapter les vaccins pour le moment. Les responsables de l'occupation russe de l'Ukraine assurent que leurs efforts pour reloger les civils de l'oblast de Kherson sur la rive est de Dnipro font partie d'un programme de réinstallation plus vaste. Des milliers d'habitants de Kherson ont été conduits de l'autre côté du fleuve Dnipro, loin de la ligne de front et encore plus loin dans le territoire contrôlé par les Russes. Au même moment, les forces russes se préparent à défendre la capitale régionale de la contre-offensive ukrainienne. Selon le chef adjoint de l'administration militaire régionale nommée par les Russes, jusqu'à présent, plus de 22 000 personnes ont traversé vers la rive est du Dnipro. Le responsable pro-russe, Kirill Strebusov, assure par ailleurs que le programme de réinstallation de l'administration est conçu pour accueillir 60 000 personnes. La déclaration de Strebusov sous-entend que les responsables russes considèrent ce qu'ils désignent par évacuation comme un élément d'un programme plus vaste de réinstallation d'Ukrainiens loin de chez eux. Au même moment, l'Institut pour l'étude de la guerre pointe du doigt le mouvement de résistance qui s'est répandu dans tous les territoires occupés par la Russie, de Kherson à la région de Zaporizhzhia. Selon le think tank, des mouvements de résistance sont probablement également actifs dans et autour de Mélitopol depuis au moins la mi-mars. Leurs activités seraient croissantes et menaceraient le contrôle russe des territoires occupés. Ces derniers jours, les partisans ukrainiens ont mené une attaque visant un responsable pro-russe de la région de Zaporizhzhia occupée. Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu'il y a eu au moins 6 cas de sabotage contre l'infrastructure ferroviaire russe depuis juin. Ces actes ont été revendiqués par le groupe anti-guerre russe Stop the Wagons. Les dirigeants russes sont de plus en plus préoccupés par le fait que même un petit groupe de citoyens peut recourir à des activités de sabotage. Pour la première fois depuis la mi-septembre, la monnaie européenne est repassée au-dessus de la parité avec le dollar. Le cours de l'euro a profité d'un possible tour de vis de la Banque Centrale Européenne. Dans les 27 pays de l'UE, comme dans la zone euro, les prix ont augmenté en moyenne de près de 10% au mois de septembre. Le mois dernier, l'inflation en France a atteint 6,6%, près de 11% en Allemagne et 22,5% en Lituanie. Les taux d'inflation différents dans la zone euro compliquent la tâche de la BCE et la réponse devrait être en principe collective. On a une politique monétaire qui est face à 19 politiques budgétaires qui elles-mêmes sont très très mal coordonnées et vont dans des sens un peu différents. Et on voit bien dans les mesures et les paquets de soutien et d'amortissement au choc économique qui ont été mis en place récemment, y compris par les grands pays, on a parlé des 200 milliards qui sont actuellement mobilisés en Allemagne, mais en France, on est aussi sur des sommes très très importantes qui ont été mises en place depuis en fait l'automne 2021. Mais tout ça n'a pas donné lieu à une concertation entre les pays européens. La monnaie européenne profite largement du recul du dollar après une série d'indicateurs économiques défavorables. Comme aux États-Unis, l'inflation persistante en Europe renforce la perspective d'une récession. La montée des prix et la crise énergétique s'ajoutent aux nouveaux chiffres qui confirment une contraction d'activité des petites et moyennes entreprises au mois d'octobre. Selon l'indice Standard & Poor's, qui sert de baromètre de l'économie, le recul de l'activité en zone euro s'est fortement accéléré dans le secteur privé. En dessous de la barre des 50%, l'indicateur montre que les entreprises épargnent dans la crainte d'une crise à venir. On peut discuter comment on répartit la perte de revenus entre les différentes catégories de la population
et essayer de protéger les ménages à faible revenu. Cela signifie que les revenus plus élevés doivent accepter une perte de revenus. Nous ne pouvons pas compenser par des dépenses publiques chaque individu ou chaque entreprise de notre économie. Les investisseurs s'attendent à ce que la BCE relève ses taux d'intérêt de 0,75 points pour soutenir l'euro. Ce sera la troisième fois depuis l'été, mais selon les analystes, il est peu probable que la zone euro évite la récession. La SNCF a été reconnue coupable ce mercredi d'homicide et de blessures involontaires 9 ans après la catastrophe de Brétigny qui avait fait 7 morts et des centaines de blessés physiques ou psychologiques. La compagnie ferroviaire a été condamnée par le tribunal d'Évry à une amende de 300 000 euros. Des dommages et intérêts devront également être versés aux très nombreuses parties civiles. Les deux autres prévenus ont été relaxés. Il s'agit d'un ancien cadre cheminot qui avait effectué la dernière tournée de surveillance 8 jours avant le drame, ainsi que SNCF Réseau, chargé de la gestion des voies. Le vendredi 12 juillet 2013, un train Paris-Limoges a déraillé en raison d'une éclisse en acier qui s'est désassemblée. Selon la SNCF, l'accident était imprévisible car provoqué par un défaut de l'acier. L'accusation y voyait au contraire un processus lent de dégradation, faute de maintenance suffisante et de mesures appropriées comme la réduction de la vitesse de circulation sur cette portion. Le groupe chinois COSCO va pouvoir acquérir des parts du terminal portuaire d'Hambourg en Allemagne. Mais cette transaction, vivement souhaitée par Olaf Scholz, a fait grincer des dents au sein de son gouvernement, beaucoup refusant d'accorder à la Chine une part trop importante dans cette infrastructure stratégique. Le gouvernement allemand a donc décidé que la participation chinoise devrait être inférieure à 25%. Pékin dispose de participation dans de nombreux ports européens, comme le montre cette carte. Celui d'Hambourg est le premier port commercial d'Allemagne et le troisième d'Europe. L'armateur chinois COSCO a réagi à l'annonce avec une certaine irritation, car le groupe prévoyait initialement un achat de 35% des parts. C'est dans ce contexte que le chancelier allemand doit se rendre la semaine prochaine en Chine. Robert Habeck, ministre allemand de l'économie, faisait partie des personnes plutôt hostiles au projet. Globalement, il est important que nous ayons appris que certains pays dont nous sommes dépendants se servent de cette position pour leur propre intérêt et pratiquent ensuite du chantage. Ce n'est plus quelque chose d'abstrait, mais une réalité dans ce monde. Regardez la Russie avec le gaz. Nous ne devons pas reproduire ces erreurs. Toute tentative du géant chinois d'augmenter sa participation au-delà du seuil de 25% dans le port d'Hambourg devra être soumise à un examen gouvernemental, a précisé le ministère allemand de l'économie. La pollution de l'air préoccupe les Européens. Pour alerter et pour dénoncer l'inaction des autorités publiques, 9 citoyens belges ont décidé lundi de poursuivre devant la justice les gouvernements régionaux du pays pour atteinte à leurs droits fondamentaux. À 60 ans, Eric van de Zand pensait ne plus du tout souffrir d'asthme. Mais depuis quelques années, il rencontre à nouveau des difficultés pour respirer. Il y a 5 ans, mon asthme est revenu et je me suis rendu compte qu'il y avait un lien direct avec la pollution d'air. Parce que quand j'avais des problèmes respiratoires, je téléphone à ma pneumologue et alors elle me répond « Vous êtes libre de doubler votre dose de cortisone pendant quelques semaines ». Mais sachez que votre téléphone coïncide avec un pic de pollution. Les plaignants belges demandent aux autorités de réduire les seuils de pollution pour s'accorder avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La Commission européenne a justement proposé mercredi de nouvelles règles plus strictes en matière de qualité de l'air. L'objectif est de rapprocher d'ici 2030 l'Union aux standards fixés par l'OMS pour parvenir en 2050 à une pollution zéro de l'atmosphère. Cette nuisance entraîne chaque année la mort prématurée de 300 000 personnes en Europe. Avec cette législation et l'actuelle législation, nous comptons réduire au cours des 10 prochaines années la mortalité de 78%. Ce ne sera pas seulement bon pour la santé des citoyens, mais ce sera aussi bénéfique pour l'économie. La Commission européenne propose justement la mise en place d'actions collectives en justice
si la santé des citoyens est affectée par la violation des règles de l'Union sur la qualité de l'air. Les procédures lancées en Belgique et en Allemagne il y a quelques semaines pourraient donc se répéter à l'avenir.